Salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième et dernière partie de la conversion de notre van. Nous sommes toujours dans les coulisses des ateliers Sylvan. Aujourd'hui, on te parle moquettage, isolation et installation des meubles. Allez, c'est parti! Première étape, le moquettage. De la colle est appliquée sur toutes les parois. La moquette y est ensuite installée de manière à isoler l'ensemble des parties tôlées. Deuxième étape, l'isolation du sol. Elle est réalisée avec des panneaux de styrodur en polystyrène extrudé de 40 mm d'épaisseur. Ils sont découpés et prendront place dans un plancher hydrofuge fixé au sol. Pour finir, le sol est recouvert d'un revêtement plastique ultra résistant. Troisième étape, la pose du toit relevable. Ici, tu peux apercevoir le panneau solaire déjà fixé. Notre toit relevable est équipé d'une doublure soft shell qui améliore l'isolation et l'occultation de la toile. Sur ce plan, tu peux voir le couchage de toit sur semi-frôlis à effet latte. Il est en option sur notre modèle Equinox 2, mais de série sur le reste de la gamme Origine. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas choisi cette option. Ici, tu peux apercevoir l'éclairage d'ambiance en intérieur. Quatrième étape, découpe, assemblage et mise en place des meubles. Des panneaux de stratifiés sont découpés numériquement dans les ateliers Sylvan. Ils sont ensuite assemblés sur place. L'assemblage des meubles étant terminé, les arrivées de gaz, d'eau chaude et froide, le câblage électrique vers le panneau de contrôle, ainsi que les évacuations d'eau sont installées. Un joint de finition vient terminer l'habillage des meubles.
5e et dernière étape, les meubles prennent place à l'intérieur du van. Dans les prochaines vidéos, on te fera la présentation de notre van sous toutes les coutures. Si ça t'intéresse, abonne-toi, active la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt!